J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Enfin si, elle était prévue pour plus tard, mais en fait aujourd'hui il ne devait pas y avoir de vidéo étant donné que au moment où vous verrez cette vidéo, je ne serai pas ici même, mais aux États-Unis avec Flavien. Donc c'est pour cette raison que je vous avais expliqué dans cette vidéo là que durant ce voyage là, il ne devait pas y avoir de vidéo sur la chaîne parce que je ne pouvais pas en pré-filmer. Et finalement, là j'ai un petit peu de temps, donc je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo et donc la poster aujourd'hui quand vous la verrez, voilà, et puis voilà, tout simplement. Mais sachez que à partir donc d'aujourd'hui, il n'y aura plus de vidéos sur la chaîne jusqu'au 15 septembre. La prochaine vidéo que vous verrez sur la chaîne sera donc postée le 15 septembre prochain, puisque voilà, je vous ai tout expliqué bien évidemment. Vous savez tout. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées en commentaire lors de cette vidéo là, quand j'ai ouvert ma foire aux questions. Je tenais vraiment à toutes et tous vous remercier pour toutes vos questions, vraiment merci beaucoup à vous. Première question par LMNO837, si j'écorche vos pseudos, veuillez vraiment m'en excuser. Donc depuis que tu t'es lancée dans Death Note, où en es-tu avec ta découverte des mangas ? Alors, je dois vous avouer que je suis totalement à l'ouest, étant donné que j'aime bien les mangas depuis que j'ai découvert Death Note. C'est vrai que je l'ai commencé il y a un ou deux ans et je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté après le tome 2, il me semble, alors que pourtant j'avais adoré les deux premiers tomes. J'avais commencé Platinum End et j'ai pas continué, alors pourtant j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'avais commencé, j'avais lu Museum, les tomes 1 et 2, que j'avais adoré de chez adoré, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas lu le tome 3. Et récemment j'ai commencé l'Atelier des sorciers, pareil, j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que je n'en lis pas beaucoup parce que j'y pense pas, je suis totalement à la ramasse. Mais pour le challenge à l'octobre, je compte lire les tomes 1 et 2 de Mary Grave. Ça me tente trop. Oui, un notif qui fait trop plaise. Oh, c'est trop gentil. Sinon, à quand les ouvertures Mystère et Mini, surprise, etc. Alors, au niveau des box, j'aimerais très sincèrement, d'ici la fin de l'année, découvrir une nouvelle box geek. Donc, j'ai une petite idée en tête. Comme ça, ça va me permettre voilà, de changer des unboxings woodbox habituels. Concernant les Mystère et Mini, j'aimerais en faire très sincèrement plus sur la chaîne. Donc, on va voir ce que je peux trouver. Mais en tout cas, j'ai une petite idée en tête. Si je me débrouille bien, ça va le faire je pense, puisque en ce moment je suis en train de travailler par écrit de temps en temps quand j'ai du temps, quand j'ai une idée qui me vient en tête. Voilà, j'essaie de travailler sur la fameuse semaine Halloween qui, voilà, que je fais chaque année fin octobre, qui a bien évidemment un rapport avec Halloween, et je pense qu'il y aura une ouverture de Mystère et Minis d'une licence bien précise, si je me débrouille bien. Mais je ne vous en dis pas plus. Jessica me demande quels sont les pop que tu comptes acquérir prochainement, sinon j'adore ce que tu fais. Oh merci ma belle, merci Jessica, c'est trop gentil. Alors, les pop que je souhaiterais avoir très prochainement, je vais commencer avec la fameuse Pennywise en 10 inch qui est... Enfin, voilà, j'adore. Je suis trop fan. Donc, je sais qu'elle est disponible sur Pop in a Box, puisque c'est l'un d'entre vous qui me l'avait dit sur Instagram. Donc, merci à toi si tu passes par là. Donc, elle est disponible là-bas. Je sais qu'elle est aussi disponible sur Pop Culture, mais comme elle est grande, la faire venir d'Australie, tout ça, enfin, vaut mieux l'acheter sur Pop in a Box. Et, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc, il y a cette pop-là. Ensuite, je dirais cette pop-là de cette box Hot Topic. Non mais, je suis trop fan. Ensuite, je dirais les dernières de Harry Potter, la dernière vague, notamment Fume Sec. J'adore, je le trouve magnifique. Ensuite, je dirais celle des Simpsons, notamment la prochaine vague. Je sais pas si elle est déjà sortie ou si elle va sortir. Enfin, je pense qu'elle sera sortie au moment où vous verrez cette vidéo. La vague Halloween, voilà, spéciale les Simpsons. Voilà, qu'est-ce que je dirais d'autre aussi? Celle de Forrest Gump, oh, notamment avec sa boîte de chocolat. C'est tellement... comment dire, c'est tellement... Enfin, ça représente tellement Forrest Gump. Donc ouais, elle me fait grave envie. Voilà pour les pop qui me font envie en ce moment. Et vous, n'hésitez pas à me dire quels pop vous font envie en ce moment. Dites-moi ça encore. Alors, question de Hocus Pocus 321. J'aime bien ton pseudo. Mis à part ça, est-ce qu'il y a d'autres livres ou films de Stephen King que tu aimes? Alors, en film, je dirais Shining avec Jack Nicholson, sans hésiter. Parce que ce film, il est... voilà, c'est...
j'aime tellement ce film, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille très fortement. Par contre, pas pour les plus jeunes, parce que c'est quand même un film d'horreur. Et en termes de livres, je n'ai pas lu beaucoup de Stephen King à ce jour. D'ailleurs, il y a une autre question par rapport à ça, donc je vous en parle tout à l'heure. Et sinon, quel est ton personnage préféré dans Stranger Things? C'est tellement, tellement difficile, parce que... Parce que j'en aime beaucoup. Je dirais Eleven, mais je dirais aussi Max. Mike aussi. Je dirais aussi... j'aime beaucoup Dustin. Je dirais... Non, mais en fait, je les aime tous. Joyce aussi. Enfin bref, il y en a beaucoup que j'adore. Parce que c'est vraiment une série juste incroyable. C'est l'une de mes séries préférées de tous les temps. Ça, c'est sûr et certain. Joachim me demande, est-ce que tu pourrais faire plus de vidéos où tu présentes des collections de pop? Alors, ça, je vais essayer. Je ne peux rien vous promettre, étant donné que c'est une vidéo qui me prend toujours énormément, énormément de temps. Pas en termes de montage, non. Pas en termes de tournage, c'est plutôt ça. Mais par contre, en termes de montage, là, c'est autre chose. Étant donné que je dois importer toutes vos photos, je dois les mettre à la taille qu'il faut, je dois ensuite les insérer au moment où j'en parle dans la vidéo, il faut que j'essaye de... Enfin, c'est un montage qui me prend toujours énormément, énormément de temps. Donc c'est pour ça que je ne peux pas en faire autant que j'aimerais et autant que vous aimeriez. Mais je vais essayer. J'essaye au moins d'en faire une par mois. Après... pourquoi pas en faire deux par mois, mais c'est vrai que je ne peux rien vous promettre étant donné que c'est une vidéo qui me prend toujours énormément de temps en termes de montage. Christophe VGGeek me dit, tu pourrais faire un classement des films que tu n'as pas aimé cette année à la fin de l'année en même temps que ton top film. Eh bien pourquoi pas. Surtout que récemment j'ai vu un film sur Netflix, un film d'horreur, suspense, tout ça, qui n'en vaut clairement pas la peine, franchement. En tout cas ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Neusia Lulois, j'espère que je prononce bien. Pourrais-tu simplement nous en dire plus sur toi? PS, tu es génial, je suis arrivée sur cette chaîne depuis environ un mois et je me suis abonnée direct. Oh, merci à toi. Eh bien, je te souhaite la bienvenue parmi nous. J'espère que tu te plais bien en ma compagnie. donc, pourrais-tu simplement nous en dire plus sur toi? Eh bien, oui. Pas dans cette vidéo, puisque c'est prévu dans une prochaine vidéo qui va sortir précisément le 18 septembre. Une vidéo intitulée 20 faits sur moi, très originale, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime, voilà, je suis quelqu'un qui est assez réservé déjà de base. Je suis pas quelqu'un qui est, comment dire, très jardin secret, n'est-ce pas? Mais je sais que, enfin je le comprends tout à fait que vous avez envie d'en savoir plus sur moi. Donc c'est pour cette raison que cette vidéo sortira donc le 18 septembre prochain. Je pense même que je la mettrai en direct, vous savez, en publication en direct, ça pourrait être sympa. Comme ça je pourrais chatter avec vous directement dans le chat en fait. Donc ça fait plusieurs mois que je travaille dessus étant donné que j'ai voulu, enfin j'avais envie vraiment que chaque fait ait un plan, un arrière-plan différent, voilà, plutôt que ce plan là, un plan fixe, ou voilà, j'avais pas envie de rester chez moi pour ça, donc j'ai dû trouver, je suis d'ailleurs toujours en train de la travailler, j'ai dû trouver en fait 20 plans, 20 décors différents, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis j'ai essayé aussi de trouver des faits qui ne sont pas trop personnels non plus, mais des choses qui pourraient être aussi intéressantes pour vous, parce que voilà, j'ai pas envie que ce soit une vidéo juste où je vous parle de moi et qui soit juste, ouais, c'est chiant en fait. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et donc elle sortira le 18 septembre prochain. Enzo le Souillon me demande, combien as-tu de Mystery Mini? Alors, vous savez quoi? Je vais compter avec vous. Donc là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, je me retourne, donc ça fait 10 pour ça, donc le film ça. Ensuite 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, donc là j'ai rajouté ceux de DC Comics et de Marvel. Et ensuite pour Stranger Things, donc 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, et Killer Croc, donc ça fait 35, Abrina 36, 37, on en a 37 Mystery Minis. Melvin Metal Fan me dit, as-tu déjà lu des romans de Stephen King? Alors oui, donc c'était justement la question dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'ai déjà lu des romans de Stephen King, j'ai déjà lu donc Sleeping Beauty, qu'il avait donc écrit avec son fils Owen, que j'avais vraiment beaucoup 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 aimé. Ensuite j'ai donc commencé à lire ça il y a quelques mois, je m'en suis arrêtée à peu près à la moitié et je ne l'ai jamais terminé. C'est quand même une lecture qui n'est pas simple non plus, donc c'est vrai que je ne l'ai jamais terminé, mais il faudrait qu'en fait que je recommence depuis le début et que je termine pour de bon, et que j'enchaîne ensuite avec le tome 2. Et
mais j'ai lu récemment Élévation, dont je vais vous parler très prochainement en update lecture. Voilà pour les Stephen King que j'ai lus jusqu'à présent. Si oui, donc lesquels? Donc je viens de vous les citer. Sinon, est-ce que certains te tentent? Oui. Il y en a qui me tentent, notamment Mr. Mercedes, puisque vous êtes beaucoup à m'en parler. Ensuite, il y a Charlie. J'en ai entendu aussi beaucoup de bien, donc c'est ceux qui me tentent vraiment le plus. Mais je sais pas pourquoi, j'ai du mal à sauter le pas, mais il faut, parce que ça me fait trop envie, donc... J'aimerais, clairement, un challenge 2020, lire, je sais pas, au moins 5 Stephen King. Ça pourrait être clairement top. Ou peut-être n'aimes-tu pas le style de l'auteur? Franchement, j'aime bien le style auteur, alors c'est pas l'un de mes styles préférés. C'est vrai qu'au départ, j'ai eu un petit peu de mal, mais finalement, on s'y fait et on se prend dans sa plume qui est quand même incroyable, il faut l'avouer. Donc franchement, j'aime beaucoup le style de Stephen King. Sans nom, me dis, de tout ce que tu as lu, quel est ton comics préféré? Alors je me tourne par là et sans hésiter, je vous dirai où est-ce qu'il est. Il est là. T'en vas pas. Je vous dirai Killing Joke par Alan Moore et Brian Bolland, qui est clairement une pépite, ce comics. Ensuite, je vous dirai Mad Love de Paul Dini et Bruce Timm, qui est clairement un incontournable du couple Harley Quinn et le Joker. Et ensuite, au niveau Deadpool, je vous dirai sans hésiter, il faut soigner le soldat Wilson, qui est génial, franchement génial de chez génial. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur mes one shots préférés. Je vous mets cette vidéo dans le petit. Alors, Jérôme me dit: salut Fanny. Salut à toi, Jérôme. Comptes-tu, mis à part la vidéo d'il y a 3 semaines au moment où je t'écris, reprendre vraiment les updates comics? Car je t'avoue que je suis abonnée depuis la vidéo Comment commencer les comics, je t'ai suivie sur le groupe Fancy Comics et j'ai vraiment le sentiment que depuis la fin de ce groupe, les comics n'ont plus été ton truc, et à mon grand regret. J'ai pu constater plusieurs vidéos qui personnellement ne m'intéressaient pas, et cela ne remet pas en cause ce que tu fais mais simplement mes intérêts personnels, se répéter plusieurs fois. Sinon, où en es-tu du court-métrage? Alors bon, du coup je vais répondre à cette première partie. Alors effectivement, tu as bien raison, pendant une période je n'avais plus spécialement envie de lire des comics et ça a duré quand même pas mal de temps. Ça a dû commencer je crois en juillet-août de l'année dernière et j'ai commencé à avoir une panne de lecture de comics. Je n'avais plus spécialement envie d'en lire, je n'avais envie de lire que des romans, que des romans, que des romans, que des romans, et ça a duré pendant une bonne période, je dirais. Et puis voilà, l'envie est revenue petit à petit et vraiment maintenant je lis autant de comics que je lisais avant, à peu de choses près. Donc c'est vrai que cette panne de lecture m'a vraiment très fortement ennuyée parce que j'avais plus cette envie, c'est très 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 embêtant, c'est vraiment une panne de lecture. Et c'est vrai, autant en roman, j'ai jamais eu vraiment de panne de lecture, alors que là, en comics, j'ai eu une réelle panne de lecture, je ne sais pas du tout pourquoi, et ça m'a vraiment ennuyée, et maintenant c'est revenu pour mon plus grand plaisir. Donc c'est pour cette raison aussi qu'il n'y avait plus vraiment, enfin qu'il n'y avait plus d'update lecture comics sur la chaîne, parce que tout simplement je n'en lisais pas. Donc voilà, c'était trop... trop dommage parce que c'est l'une de mes passions et voilà. Donc oui, je vais en refaire, je vais essayer d'en faire au moins une fois par mois, puisque comme vous avez pu le voir, j'en ai fait un au mois de juillet, j'en ai fait un au mois d'août, je vais en refaire là très prochainement, dès que je vais reprendre les vidéos mi-septembre, puisque j'ai lu quelques comics ces derniers temps depuis la dernière vidéo update comics. Donc oui, ne vous inquiétez pas, ça va revenir, et en tout cas j'espère ne pas re-avoir une panne de lecture parce que c'est extrêmement agaçant, franchement. Je vais en profiter pour vous parler du groupe Fancy Comics que j'avais créé, donc un groupe spécial comics que j'avais créé sur Facebook il y a quelques années. Et donc ce groupe là, j'ai dû l'arrêter l'année dernière étant donné, alors ce n'est pas du tout à cause de ma panne de lecture. Pas du tout, et je tenais vraiment à m'excuser de la fin de ce groupe, mais c'est que tout simplement je ne pouvais plus gérer ce groupe en plus du reste, tout simplement, parce que voilà, il y a YouTube qui me prend quand même pas mal de temps, et je ne suis pas comme beaucoup de YouTubeurs, ce n'est pas mon métier, j'ai aussi un métier à côté qui me prend donc 35 heures, plus mes activités autour, plus ma vie personnelle, et puis en plus de ça, il y a mes passions, donc à savoir lire,
regarder des séries, regarder des films, etc. Donc c'est pour, voilà, ce sont mes passions, mais ça me permet aussi de faire du contenu pour la chaîne. Donc c'est pour toutes ces raisons, voilà, comme je pouvais pas tout gérer en même temps, c'est pour cette raison que j'ai dû arrêter le groupe Fancy Comics. Et sachez que je m'en veux toujours à l'heure actuelle. Je sais que c'était vraiment un groupe sur lequel tout se passait bien, sur lequel il y avait vraiment une très bonne ambiance, mais je ne pouvais vraiment pas tout faire en même temps. Voilà, tout simplement. Et ensuite donc la question suivante est: sinon, où en es-tu du court-métrage que tu as parlé en début d'année, et feras-tu de nouveaux concepts comme les ateliers créatifs que tu proposes durant les saisons parfois d'Halloween et Noël? En tout cas, continue de faire ce que tu fais tant que toi ça te plaît et que ça plaît également au plus grand nombre. Eh bien merci à toi Jérôme. Alors mon court-métrage est en... Alors j'ai déjà le script, voilà, et si tout se passe bien... et là je vous le dis, comme ça, ça va me donner un gros coup de pied aux fesses, et comme ça, c'est-à-dire que j'aime bien faire les courts-métrages, j'en ai déjà fait deux sur The Walking Dead, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, mais aussi ce n'est pas du tout ma zone de confort, je sors totalement de ma zone de confort en faisant des courts-métrages, et c'est vrai que j'ai peur, voilà, j'ai peur d'en faire, parce que je sais pas comment vous allez réagir en les visionnant, donc c'est pour cette raison que j'ai toujours repoussé, et là, de vous le dire, et bien comme ça, ça me mettre un coup de pied aux fesses, et... Ben je vous l'ai dit, donc je n'ai plus le choix. Donc j'aimerais très sincèrement, donc le court-métrage est en script, voilà, et qu'il sorte en fait pour la semaine Halloween. Voilà, de cette année, 2019, hein, pas 2020. Ensuite, Wonder Liberty. Salut, salut à toi. Petite question pour ta FAQ. As-tu lu le livre de Andy Roski, La pire soirée de ta vie? Si oui, pourrais-tu faire une vidéo sur ton avis? Clairement, il me fait trop envie. Je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, j'aime beaucoup ce principe de livre dont tu es le héros. Voilà, de lire, et suivant ce que tu veux, telle ou telle action, tu dois aller à telle page. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. En plus de ça, ça parle d'horreur, donc oui. Puis en plus, j'aime beaucoup ce que fait Andy Roski, donc clairement, je vais très prochainement me le procurer. Et pourquoi pas le lire pendant le challenge à l'octobre. Autre petite question, pourrais-tu faire une gamme de vidéos spéciales Lucifer avec des livres, des goodies, etc., etc. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Je sais qu'il y en a aussi une d'entre vous qui m'a demandé si je pouvais faire une vidéo spéciale sur les anges. Alors pourquoi pas, sur les lectures sur les anges. Donc ça pourrait être une... Enfin, ce sont vraiment de très bonnes idées. Donc il faudrait que je réfléchisse comment faire ça, et rester connectée. Gloriosa, j'espère que je prononce bien. Quel est ton film préféré DC Comics et ton film préféré Marvel, et quelle est ta série préférée? Mon film DC Comics préféré, c'est The Dark Knight, sans hésiter, par Christopher Nolan, avec Christian Bale dans le rôle de Batman et Heath Ledger dans le rôle du Joker. C'est vraiment un film juste incroyable. Et au niveau Marvel, mon cœur balance. Je dirais Deadpool le 1, qui est incroyable, qui est badass. Je dirais la trilogie Iron Man, je peux pas choisir, et je dirais également Avengers, l'ère d'Ultron, que je kiffe grave. Et quelle est ma série préférée? Ma série, donc j'en ai pas une, j'en ai deux, si je devais choisir, je dirais même trois, mais il y en a une où je suis totalement à la ramasse, donc je dirais Lucifer, The Punisher et The Walking Dead, dont je suis un peu beaucoup à la ramasse, qui... talonne de très peu Lucifer et The Punisher, qui sont des séries incroyables. Et il y a aussi d'autres séries comme Stranger Things, Gossip Girl, Les Frères Scott, etc., etc. Donc si vous avez envie que je vous fasse un update de mes séries préférées de tous les temps, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Iron Fan, qui est donc fan d'Iron Man, je suppose, vu ton avatar. Salut, salut à toi. J'adore tes vidéos. Oh, merci, c'est trop gentil. Et j'ai quelques questions. Donc, ta série préférée. Donc, je viens de vous le dire. Tu collectionnes depuis combien de temps? Eh bien, j'imagine... Alors, quelle collection? Alors, depuis combien de temps je collectionne tous les produits dérivés? Je dirais depuis 2012. Depuis la toute première figurine Assassin's Creed que j'ai acheté, qui est donc celle de Connor de Assassin's Creed 3, qui est mon préféré des
Assassin's Creed, clairement. Donc on a commencé à collectionner les produits dérivés à partir de 2012 et pour les pop à partir de 2015. Et ma pop préférée, je vous invite donc, si vous avez envie d'en savoir plus, à visionner cette vidéo là où je vous présente mes pop préférés. Romain OM me dit, sais-tu le nombre de Funko Pop que tu as, le nombre exact? Je vais aller compter. Nous avons 260 pop tout rond. Voilà, donc j'ai dû recompter deux fois. Et effectivement, on a bien 260. Sinon, continue ainsi, t'es la best. Oh, merci Romain, merci encore pour tout ton savoir sur les Funko Pop que tu partages. Oh, merci, c'est trop gentil, vous êtes trop gentil avec moi. Bagou Bedo, j'espère que je prononce bien. Coucou Fanny, coucou à toi, j'adore tes vidéos. Oh, merci, c'est gentil. J'ai une petite question, quel est ton personnage préféré de DC Comics? Perso, moi c'est Harley Quinn et le Joker, et comptes-tu re-aller aux États-Unis un jour? Alors, moi aussi, c'est Harley Quinn et le Joker, et Batman ensuite. Et comptes-tu re-aller aux États-Unis un jour? Eh bien, comme je vous l'ai dit dans l'introduction de cette vidéo, au moment où vous verrez cette vidéo, eh bien, nous sommes justement aux États-Unis. Et nous sommes précisément, donc la vidéo sera postée donc début septembre. On doit être précisément dans le Nevada, si je dis pas de bêtises. De toute façon, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre justement nos aventures. Étienne Malenfant me dit, salut! Salut à toi! J'avais quelques petites questions qui me trottaient dans la tête, comme par exemple, combien as-tu de Funko Pop dans ta collection? Donc 260. Quelle est ta Funko Pop de plus grande valeur et le prix? Je crois bien, alors je vais aller vous la chercher, je crois bien que c'est celle de Superman qui doit être aux alentours de 170€. Donc c'est une Superman qui est en chaise que nous avons acheté 13€. Oui, 13€, et elle doit à peu près valoir à peu près 160€. Donc c'est une des premières Batman, et puis donc en version métallisée. Voilà. Combien as-tu de comics Marvel et le même principe pour DC Comics? J'ai 40 comics DC Comics, donc tout rond, et j'en ai 26 chez Marvel. Je te fais tout plein de bisous et continue, tu me donnes le sourire. Oh merci Étienne, c'est trop gentil, je te fais plein de bisous. Également. Shana l'oiseau 29. Shana, ma belle Shana avec qui je discute de temps en temps par message sur Instagram, qui me laisse toujours de très très beaux messages. Coucou ma belle, je suis très contente que vous alliez en vacances, ça vous fera du bien, profitez bien et ne t'en fais pas pour ma part, je serai fidèle et reste comme tu es. Tu es naturelle, passionnée et douce, un plaisir à regarder et tu es magnifique. Tes messages sont toujours hyper touchants et ouais, ça me touche. Clairement, ça me touche que tu me laisses des messages comme ça, qui sont toujours hyper bienveillants, hyper gentils envers moi. Et vraiment, je tiens à te remercier, Shana, et aussi à remercier toutes les personnes qui me laissent des messages aussi gentils, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, peu importe. Vous êtes toujours hyper gentils avec moi, et ça me fait grave chaud au cœur, et ma voix commence à partir en live, parce que voilà, ça me touche. Clairement, ça me touche. Et franchement merci quoi, je vous remercierai jamais assez. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est grâce à vous je reçois des livres, je peux aller à certains événements en tant que service presse, tout ça c'est grâce à vous. Tout ce que vous m'apportez au quotidien avec vos messages, votre bienveillance, sachez que ça me touche et merci, franchement merci, quand je sais que voilà, quand je vois que vous êtes quasiment 14 000 à me regarder, à me suivre, à commenter, à partager, c'est incroyable en fait, c'est incroyable et merci d'être là, merci de me suivre et merci pour tout ça, merci, franchement merci. Je sais pas comment vous remercier, mais voilà, sachez que je vous en suis extrêmement reconnaissante. Si j'en suis là à l'heure actuelle, c'est grâce à vous. Sur ce, avec ces mots de remerciement envers vous, ma communauté, eh bien je vais arrêter cette foire aux questions. Je vais répondre donc à la suite des questions dans une prochaine fois. En tout cas, je pense que cette vidéo aura duré méga longtemps, mais bon,
C'est un peu mon habitude, je pense que vous me connaissez à force. Donc sur ce, j'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire avec beaucoup de bienveillance comme toujours. Je vous fais confiance. Et puis n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les rajouter sous cette vidéo foire aux questions. Comme ça j'y répondrai dans la seconde partie, voire peut-être même dans une troisième partie. Parce que j'aimerais aussi répondre aux questions de la foire aux questions de l'année dernière. Voilà. Donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis donc pas à dimanche ni à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis donc au 15 septembre pour une nouvelle vidéo. Sur ce, ne m'oubliez pas, et donc on se dit au 15 septembre. Je vous fais plein de bisous. Bye.